On attend Will.i.am et Black Eyed Peas ce soir. Son avion ne devrait pas tarder à se poser, il est minuit et quelques. Pour avoir Will.i.am, un artiste international, dans son club, il faut payer très cher. Selon nos informations, entre 60 000 et 90 000 euros. Ajoutez à cela la prise en charge de ses déplacements en jet privé avec son staff de 10 personnes et l'hébergement dans un hôtel de luxe. Pour Jean Roc, un investissement qui en vaut la peine. En termes de producteur, en termes d'artiste, c'est un artiste rare en club. C'est pas facile, tu le vois pas partout, il joue pas partout. Et puis c'est l'homme aux mille tubes. Donc il y a une vraie excitation, on adore ça. Une excitation, mais aussi une pression car il faut rentabiliser l'événement. 2h du matin, Will.i.am arrive enfin. Il embrasse Jean Roc comme un ami intime. Et comme toutes les stars qui viennent, une photo est faite pour immortaliser son passage et surtout pour communiquer sur sa venue. Will.i.am enflamme la scène. Red Fou du célèbre groupe LMFAO, qui est venu en prestataire la veille, se joint à la star, mais cette fois, il n'est pas payé. C'est juste pour le plaisir. Pendant ce temps, dans les bureaux, les employés s'activent. Les photos de Will.i.am sont déjà en boîte et vont être mises en ligne sur Internet. Voilà, je retouche une photo de Will.i.am qui a été prise au VIP Room il y a quelques minutes, afin qu'elle soit postée directement sur les réseaux sociaux, donc VIP Room Cannes, comme ça qu'on soit les premiers direct en live. Quoi. Communiquer en temps réel sur les réseaux sociaux pour attirer les clients toute la nuit, c'est la clé du succès.